on a un flag de levée. Ce qui est important quand on pêche avec une tepop, c'est de ne pas se dépêcher. Hein? Le petit mouinet, ça s'en va. Le poisson peut s'en aller tout seul. J'ai cassé la glace. Je sors ma tepop. Et je fais attention en sortant ma tepop. Vous voyez, là, ça déroule tranquillement. Le poisson, il est là. Je sens le poisson. Je dépose ma tepop. Je sens toujours mon poisson. Et voilà. Ça semble un beau doré. Oh oui! Beau doré! Très, très beau doré. Fait que vous voyez, quand on pêche avec des brimbales à mouinet submergé, ça donne à rien de se dépêcher. Le poisson va manger votre menée, va ramasser votre menée, puis il va s'en aller tranquillement pas vite avec. Fait que ça sert à rien de se presser. Mais ça là, c'est un beau doré keeper. Vous avez vu, j'ai pris le temps de casser la glace. J'ai sorti ma brimballe tranquillement. On ne saisit jamais notre brimballe par la petite hélice. On prend le cadre, on le sort tranquillement. Puis aussitôt que j'ai commencé à monter, on voyait le mouinet dérouler. J'ai déroulé un petit peu de fil. Une fois que j'avais assez de fil de dérouler, j'ai pris mon fil entre mes doigts, j'ai déposé ma brimballe. Ferrage. Et on a un beau poisson. Sur ce, merci. Bonne pêche.